What an amazing year it's been for women! I turned 60 last year. And I think all of you women understand this. As the days, the years, and the numbers get bigger, it seems like opportunities start to get smaller as well. This stage of my life is extraordinary, and at this time in the industry when these things are going on, and for this role. I would like to acknowledge the other actresses in this category. Reese Witherspoon, Laura Dern, my girlfriends first and foremost, but my beyond talented acting partners. I share this with you. And there's others, Meryl Streep, Jane Fonda, Judy Davis, Isabelle Huppert, Shirley MacLaine, Judy Dench. The list is so long, and I would love to say so many more names, but I can't right now. But I want to thank you all for your trailblazing performances you've given over your career, and how wonderful it is that our careers today can go beyond 40 years old. Because 20 years ago, we were pretty washed up by this stage in our lives. So that's not the case now. We've proven, and these actresses and so many more are proving, that we are potent and powerful and viable. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Martha Lausanne, directrice du Centre d'études des femmes à la télévision et au cinéma, disait « À moins que votre nom de famille ne soit Streep, il y a de fortes chances que vous ne travaillez pas beaucoup, une fois passé la quarantaine. » Meryl Streep, quant à elle, a avoué qu'elle pensait que sa carrière serait finie il y a des années maintenant, durant le Venice Film Festival de 2006, où elle est venue présenter le film Le Diable s'habille en Prada. Elle met en avant le fait que la comédie semble être le seul genre cinématographique qui existe encore pour une femme de son âge. Elle a alors 57 ans à l'époque. Les choses sont simples. Une femme dans la cinquantaine doit visiblement se coltiner des rôles de femme au tempérament de dragon, et pour travailler moi-même dans le domaine, je peux vous dire que ce n'est pas un problème hollywoodien uniquement. Elles sont nombreuses à se voir coller cette étiquette. J'en ai été moi-même témoin de mes propres yeux alors que j'étais fraîchement arrivée dans le métier. Mais pourquoi une telle discrimination envers la gente féminine? Car en effet, vous le verrez dans cette vidéo, le même sort n'est pas réservé aux hommes sur bien des aspects. Est-ce que c'est alors un problème dont l'industrie est uniquement fautive, ou bien les torts sont-ils partagés? Tout le monde a probablement une idée de la réponse, mais voyons quand même de plus près tout ça. Et avant que les esprits ne s'échauffent et que les mâles alpha pas contents ne me laissent ce genre d'ineptie en commentaire, sachez que d'abord, c'est un jugement totalement hâtif. Ce t-shirt m'a été offert par un homme qui revenait d'un voyage en Normandie. Je vous laisse faire le lien tout seul dans votre tête. Et si vous êtes effectivement contre l'égalité pour tous, vous avez raison, rendez-nous service, zappez. Dans une étude menée par Lewis Amaral, chercheur à l'université de Northwestern, dans laquelle il analyse des archives de l'American Film Institute, on constate que l'âge d'or du cinéma hollywoodien, c'est-à-dire la période la plus prolifique au cinéma qui a lieu entre les années 30 et 50, eh bien représente le pic le plus bas pour les actrices. Lorsque le problème a été soulevé, la réponse a été sans équivoque. C'est parce que c'est la période durant laquelle on faisait beaucoup plus de films de western, de policiers, d'action, bref, des genres qui correspondent beaucoup plus aux hommes. Ok, pourtant, l'analyse démontre que ce principe se généralise sur tous les genres, que ce soit les comédies musicales, le genre fantastique, voire même la romance. A priori, un genre qui est quand même beaucoup plus apprécié par les femmes. En creusant un peu, on réalise qu'une toute autre explication pourrait tout à fait logiquement justifier tout ça. Avant l'âge d'or du cinéma hollywoodien, l'industrie représentait essentiellement des cinéastes indépendants qui faisaient tourner autant, ou presque, les femmes que les hommes. Ainsi, entre les années 1910 et 1920, les femmes représentaient 40% de la distribution. Alors effectivement, nous ne sommes pas à une égalité, et on y reviendra plus tard, mais c'est pas mal pour l'époque. En 1930, le système de l'industrie change et 5 grands studios de cinéma, tous fondés par des hommes, commencent à émerger. La Warner Bros, fondée le 4 avril 1923 par Jack Warner, Harry Warner, Sam Warner et Albert Warner. La Paramount, fondée le 8 mai 1912 par W.W. Hutchinson, Adolph Zukor et Jesse L. Lasky. La MGM, connue aussi sous le nom de MGM Universal, fondée le 17 avril 1924 par Louis B. Mayer et Marius Lowe. La Fox, connue sous le nom de 20th Century Fox Studios,
temps à présent, qui fut fondée, elle, le 1er février 1915 par William Fox, et enfin la RKO Pictures, société indépendante de films fondée par David Sarnoff le 23 octobre 1928. Bref, une belle industrie cinématographique bien masculine qui engageait essentiellement des personnes masculines. C'est d'autant plus une période extrêmement compliquée à Hollywood, puisque ces studios ont la main mise sur absolument toute la production d'un film, de sa création à sa sortie en salle. Personne d'extérieur à leur studio ne vient mettre son grain de sel dans leur choix, et dans l'étude de Louis Amaral, on constate que durant cette période, les rôles féminins sont réduits de moitié et ne représentent donc plus que 20% de la distribution pour des rôles toujours plus stéréotypés. Lassées de ce jeu malsain, certaines ont tapé dans la fourmilière et ont signé le déclin de l'âge d'or. Si jamais ça vous intéresse de connaître la chute merveilleuse de la période de l'âge d'or hollywoodien, dites-le moi en commentaire et je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Outre le manque de représentation féminine dans des rôles au cinéma, une seconde étude menée par deux économistes de l'université de Clemson en Caroline du Sud, Robert Fleck et Andrew Hansen, de leur nom, a permis de mettre en lumière une autre discrimination. Les deux hommes ont analysé les données sur les films produits entre les années 20 et 2011, et les résultats n'étaient pas jojo. En premier lieu, ils constatent que sur cette période entière, il n'y a jamais eu de parfaite égalité entre le nombre de rôles pour les femmes et ceux pour les hommes. Ensuite, ils remarquent post-période de l'âge d'or qu'au début de leur vingtaine, les femmes sont essentiellement privilégiées par rapport aux hommes, car elles obtiennent 80% des rôles contre un maigre 20% pour les hommes. Mais la période s'inverse très vite. À peine dans leur trentaine, les femmes ne représentent déjà plus que 40% des rôles contre 60% pour les hommes. Enfin, passé les 40 ans, les femmes n'ont plus que 20% des rôles, tandis que les hommes ont les 80 autres restants. Ce phénomène s'explique très simplement dans leur vingtaine, les femmes sont dans la fleur de l'âge, elles sont jeunes, elles sont souvent très jolies et surtout très sexy. Elles plaisent à un très large public et surtout, elles font vendre. Les jeunes garçons comme les hommes fantasment sur elles et les jeunes filles les idolâtrent énormément et souhaitent leur ressembler. Elles sont aussi souvent hyper sexualisées, un problème que beaucoup d'actrices ont déjà critiqué. Dernier élément intéressant, il dénote que depuis les années 50, un facteur récurrent se présente. Bien que l'égalité ne soit jamais totale, il semblerait que la trentaine soit le seul âge où les femmes et les hommes soient plus ou moins sur un pied d'égalité en termes de premier rôle. Pour autant, la discrimination est toujours bien présente. En atteste Maggie Gyllenhaal, par exemple, dans une interview donnée au magazine The Wrap en 2015, dans lequel elle explique s'être vue refuser un rôle à 37 ans, celui de la compagne du personnage principal qui, lui, a 55 ans, parce qu'elle est jugée trop vieille. Ouais, ou encore, Olivia Wilde, qui avait auditionné pour le rôle de Naomi dans Le Loup de Wall Street et qui s'est fait coiffer au poteau par Margot Robbie. Olivia Wilde avait 28 ans, Leonardo DiCaprio en avait 39 et Margot Robbie est bien 6 de moins qu'Olivia Wilde. Ce problème, presque toutes les actrices en début de carrière l'ont vécu. Kirsten Stewart, par exemple, a finalement refusé son rôle dans le film de 2015 Focus après avoir appris que sa co-star Ben Affleck était remplacé par Will Smith. Ben Affleck avait 40 ans, Will Smith 44, un écart d'âge trop important selon elle, 20 ans tout de même, qu'elle refuse de cautionner. Elle sera alors remplacée par Margot Robbie. La quarantaine serait alors l'âge charnière pour ces femmes, puisqu'à ce moment-là, elles perdent trois quarts des rôles principaux tout de même. Tandis que parallèlement, la quarantaine n'est que le milieu de carrière pour un homme. Deux poids, deux mesures, les gars! Je vous avais déjà parlé du test de Bechdel dans une précédente vidéo, test qui a pour but de tester la présence des femmes dans un film. Pour que le film ne soit pas jugé discriminatoire, il doit pouvoir répondre par l'affirmative aux trois questions suivantes. Premièrement, est-ce qu'au moins deux femmes sont présentes dans le film? Deuxièmement, est-ce que ces deux femmes se parlent? Et troisièmement, est-ce que leur conversation tourne autour d'autre chose que d'un homme? A savoir que beaucoup de films ont échoué à ce test, pour n'en citer que quelques-uns, Birdman, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et la Coupe de Feu, Toy Story, etc. Je vous laisse faire le test de votre côté et me donner des noms des titres en commentaire. Même principe pour l'âge, le Ageless Test, créé par la Gina Davis Institute en partie, fonctionne sur base de deux questions. Le film comporte-t-il au moins un personnage de plus de 50 ans lié à l'intrigue? Et le personnage féminin de plus de 50 ans est-il présenté de manière humaine sans la réduire à des stéréotypes agistes? Comme par exemple, sexualiser une gamine de 20 ans et partir du principe que quand on en a 60, on n'a plus goût ni à la mode, ni au
au plaisir de la vie. Grâce au test, on constate qu'un film sur quatre seulement répond positivement à ces deux questions. Si les rôles sont si souvent stéréotypés pour les femmes, ça s'explique assez facilement. Leurs rôles sont écrits par des hommes. À nouveau, bien sûr, on ne dit pas que les hommes sont totalement dépourvus de talent pour écrire des personnages féminins. Preuve en est Mark Cherry, scénariste des séries Desperate Housewives ou encore plus récemment Why Women Kill, mais beaucoup d'entre eux entretiennent les stéréotypes féminins. Pas parce qu'ils le veulent forcément, mais parce qu'ils suivent la demande. À titre d'exemple, Meryl Streep a réécrit certains de ses dialogues qu'elle estimait être des dialogues écrits pour une femme, mais à travers les yeux d'un homme. Et on peut le comprendre. Pas sûr que je décrive aussi bien que mon mec ce que ça fait de se faire taper dans les robignoles, par exemple. Rien qu'en 2019, on constate qu'aucun film ne contient au moins un rôle principal pour une femme de plus de 50 ans. Alors on est tout à fait d'accord, il ne s'agit pas de remplir un quota absolument dans tous les films, mais pas un seul sur les centaines de films produits sur une année. Si la situation est déjà bien triste pour les actrices, elle est loin d'être meilleure en coulisses. En effet, elle se répercute sur toutes les femmes de façon générale dans les métiers du cinéma. I think the most important thing is inclusivity and more women. I mean, basically just more women anywhere, anytime, all at once. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1920, 5% des réalisateurs étaient des femmes. En 2019, elles représentent 8%. Pas folichon, hein, l'évolution en un siècle. Et c'est pareil partout. Prenez une équipe technique par exemple. Rares sont les femmes que l'on retrouvera à la lumière, au décor, au son, par contre au maquillage et à la coiffure. Quant à leur âge, plus elles vieillissent, plus la gente féminine disparaît des radars dans le métier. Dans une interview pour le Nottingham Post, l'acteur Antonio Banderas soulève un point intéressant. Il blâme l'industrie, oui, mais la société aussi. L'un ne va pas sans l'autre. La société veut un idéal et l'industrie lui vend cet idéal. Il y a quand même de fortes chances que si les gens se ruaient dans les salles de cinéma pour aller voir, je ne sais pas moi par exemple, The Godmother, eh bien l'industrie offrirait beaucoup plus d'opportunités à ces dames. En attendant, et on nous blâme souvent pour ça, ce sont essentiellement les femmes qui offrent ces opportunités aux femmes. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour permettre aux femmes de diversifier la distribution dans les films, on leur propose souvent de passer par la case chirurgie. Le principe de la carotte en somme. Fais-toi refaire et tu auras peut-être un rôle. Je ne fais pas partie de l'entourage de Brad Pitt, mais je suis quasi certaine qu'on ne lui a jamais demandé de se faire lifter pour un rôle. Parce que finalement, si quand on est vendeur, avocat, boucher, paysagiste, fleuriste, facteur ou que sais-je, on n'a pas forcément peur de perdre son job à 40 ans parce qu'on est une femme. Alors il n'y a pas vraiment de raison que ce soit uniquement quelque chose qui arrive dans l'industrie du cinéma. Non ? Et vous, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour changer les choses à ce niveau-là ? Si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, à me laisser un commentaire pour me le dire, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, merci à vous pour vos commentaires sous la dernière vidéo, ça me fait vraiment super plaisir de voir, premièrement, qu'elle vous a plu, mais surtout que vous êtes ravis de revoir le retour des SDT sur la chaîne. Moi, ça me fait très plaisir de les refaire. J'ai hâte de vous retrouver le mois prochain pour le prochain SDT. Top Gun a gagné. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre du plaisir dans la vie, de laisser de la place aux femmes. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, coupez !